Qu'est-ce que vous avez trouvé, inspecteur Pirez ? Un vieux film, un peu méconnu et très ancien, mais qui a engendré un remake que... Allez, on va dire que c'est le plus détesté de ces dernières années. La guerre des étoiles ! Mais sans déconner, c'est pas le film dont on va parler aujourd'hui. Storytime ! J'avais prévu depuis pas mal de temps de faire une bataille des remakes, ça vous le savez déjà. Et j'ai passé une bonne partie de l'été 2016 à plancher dessus, à la suite de quoi j'étais à peu près satisfait de ma liste. Et puis France 3 est arrivée. Ceci n'est pas une pipe. Ce n'est pas une pipe. Ceci m'a rappelé que j'avais un film du même nom sur mon disque dur que, à l'époque, je n'avais jamais vu. Un match des remakes était donc né. Commençons par poser les bases. Quand je dis Maigret, la majorité d'entre vous pense... Qui ? Mais pour ceux qui savent que le personnage est un inspecteur de police de fiction créé par Georges Simenon dans les années 30, quand vous entendez Maigret à la télé, vous pensez avant tout à la série Maigret avec Bruno Kremer. Mais c'est pas l'original que je vais présenter aujourd'hui, pour une raison simple. Les deux films qui font l'objet de cette vidéo sont les premiers d'une série de 4 films, là où la version avec Kremer est l'épisode 23 de sa propre adaptation. Ce qui veut dire que la série de Kremer a eu 22 épisodes pour établir le personnage de l'inspecteur Maigret, là où les deux films présentés aujourd'hui partent de zéro. Et maintenant que les bases sont posées, analysons. Et tiens, pour une fois, on va commencer par le remake. Maigret en un piège version 2016 est un téléfilm brexitanien qui met en scène Rowan Atkinson dans le rôle du commissaire Maigret. Et vous allez très vite constater que les extraits que je vous propose sont tirés de la version originale sous-titrée parce que la VF quoi. Vous ne le savez peut-être pas si vous ne connaissez Atkinson qu'à travers Mr. Bean, mais il a une voix atypique, reconnaissable entre mille, et du coup bien évidemment qu'il a été doublé de la manière la plus générique possible en français. Your institute at Sandown must have been contacted, Professor. It was. But we can find no offender that we can place in Montmartre at this time. Vous avez dû être sollicité vous-même à Sainte-Anne, n'est-ce pas, professeur? En effet. Mais de tous ces anciens criminels, aucun n'était présent à Montmartre au moment des faits. La VO a un deuxième avantage, cette fois-ci comique, parce que nos amis outre-Manche galèrent comme pas permis à prononcer les noms de la France. Arlette Dutoire. Monsieur Monsin. Quai des Orfèvres. Where's Maigret, l'oignon? Monique Juteux. Lombier, Maigret. Police judiciaire. Quai des Orfèvres. Maigret. Marcel Monsin. Police judiciaire. Inspecteur Maigret. Et ce jusqu'au générique, qui en théorie est chanté en français. Et je souligne en théorie. Et moi, vois tous les tours, mais toujours. Bref, Maigret en un piège raconte l'enquête où Jules Maigret enquête sur un tueur en série qui assassine des jeunes femmes dans les rues de Montmartre. Après un patinage spectaculaire, il se laisse convaincre par un ami psychiatre de tendre un piège au tueur, un piège dangereux en termes d'éthique, accuser un imposteur et attendre que le vrai tueur ne passe à l'acte par sursaut d'orgueil, cette fois-ci en posant des policières en guise de fausses cibles pour prendre le tueur en flagrant délit. Le plan n'est pas exactement une réussite, mais ça mène Maigret sur la piste d'un individu suspect. C'est à ce moment-là qu'on entre dans la zone grise du spoiler. Et j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, même si certains vont filtrer plus tard lors de la comparaison entre les deux films. Parce que... j'ai trouvé cette adaptation plutôt de qualité et je trouverais dommage de tout vous gâcher. L'ambiance polar, presque thriller, est très prenante, le jeu d'acteur est plutôt solide, mené par Rowan Atkinson surprenant de robustesse dans un rôle sérieux, et le scénario est bien ficelé,
même si, bien sûr, il est adapté du roman original. Que je n'ai pas lu parce que... Lors de mes vacances à Alès, je suis tombé dans une ruelle sur un petit bouquiniste dans une petite échoppe étroite, presque cachée par les immeubles imposants de la rue. Dans ce magasin, j'ai trouvé ma coupe de charpentier, une intégrale des romans de Simenon. Mais en inspectant mon Graal, j'ai dû faire face à une incroyable déception. Sur les 29 volumes qui composent l'intégrale de Simenon, il en manquait un. Mais ça n'a rien à voir et ça n'enlève en rien à la qualité de l'adaptation, qui, j'ai cru comprendre, est plutôt fidèle au matériel source. Et maintenant, comparons avec l'original. Et pour ceci, mesdames et messieurs, pour la première fois dans Pires fait de la Résistance, je vous présente un film en noir et blanc. Donc, Maigret en un piège est un film de 1958 avec Jean Gabin, Annie Girardot, Lino Ventura et au dialogue Michel façon puzzle Audiard. Et c'est ainsi qu'on réalise que le remake n'avait pas la moindre chance. Alors bien sûr, le matériel source est le même, mais l'original est beaucoup plus poussé, à tel point qu'il expose les failles du remake. Vous allez dire que c'est parce que l'original dure une demi-heure de plus, et ça va plus loin que ça. Mais oui, ça aide. L'original a le temps de montrer la police pédaler dans la choucroute et que le tueur se permet de jouer avec ses poursuivants, ce qui aide le spectateur à comprendre la justification du piège que Maigret doit tendre, là où dans le remake, les difficultés de la police sont énoncées en off au début, mais on ne voit jamais la police interroger personne, ils n'ont rien. Et malgré le fait qu'ils ne nous montrent jamais que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas, pouf, ils tendent le piège. Mais comme je viens de le dire, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le remake passe plus de temps à expliciter l'effet des meurtres sur le moral de Maigret. Vous savez quoi ? Pour bien différencier les personnages, le Maigret de Jean Gabin, on va l'appeler Maigret, et celui de Rowan Atkinson, on va l'appeler Maigret. Donc je disais, le remake passe plus de temps à analyser la psyché de Maigret. Et c'est vraiment là le trait le plus important de son personnage. Peu importe ce qui lui tombe sur la gueule, et entre le tueur, les familles des victimes, la hiérarchie et le regard désapprobateur de sa propre femme, il en prend plein la gueule, son flegme légendaire, pour ne pas dire britannique, le guidera vers la victoire, qui est concrétisée au moment où le tueur perd, lui, son sang-froid. Sauf que le symbole, il est bien beau et très efficace en théorie, mais en pratique, des tueurs, il n'y en a qu'un, alors que des personnages autour de Maigret, il y en a 30. Et il n'y en a pas un qui place un mot plus haut que l'autre. Et du coup, le Maigret, il a du mal à sortir du lot. Le Maigret joué par Jean Gabin, lui, c'est le patron. Et ça se ressent. Il gère les ressources, il s'emporte quand ses subordonnés font des conneries. T'as pas pu résister, hein. Il a fallu que tu la piques ta crise, il a fallu que tu le fasses ton petit numéro, que tu cabotines, ou un poyasme. Mais aussi, et surtout, il sait torturer psychologiquement ses témoins pour qu'ils passent à table. L'original passe aussi beaucoup plus de temps à établir son monde. Non seulement Maigret interagit avec plus de monde, les autres personnages ont plus de personnalité. Ils ont des pensées propres au-delà de leurs fonctions. Ils aiment plaisanter, ils... Eh ben, elle m'a surpris. Est-ce que je viens de voir Lino Ventura se faire dominer physiquement par une petite femme bien en chair? Ce film est fantastique. Le lien entre les personnages est également plus exploré, ce qui fait qu'on a l'impression que le film s'égare par moments et s'éloigne de l'affaire en cours, mais ça rend le dénouement de l'enquête encore plus satisfaisant. Et puis, si on peut plus faire confiance à Michel Audiard pour pondre un scénario compétent, c'est le monde à l'envers. Le remake, lui, est bien plus concentré sur l'affaire en cours et son impact sur Maigret, et ça veut dire que le film se concentre plus sur les échecs de l'enquête et plus particulièrement du piège. Un aspect qui est beaucoup moins représenté dans l'original, où les problèmes sont soulevés et puis immédiatement écartés. C'est dire à quel point Maigret est aux commandes. En fait, la vraie différence entre les deux inspecteurs, c'est que dans l'original, tout le monde veut l'aider même s'ils sont pas toujours compétents, alors que dans le remake, tout le monde est d'une efficacité irréprochable, mais la moitié essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Bref, avec une telle puissance de feu, l'original ne pouvait que surclasser le remake. Audiard a un don de rendre naturels les dialogues les plus techniques, et le jeu d'acteur est sublime, mené par un Jean Gabin magistral qui finit d'ailleurs en apothéose à la fin. Mais ce que je reproche le plus au remake se résume en un nombre. Au-delà d'être mon code de carte bleue, c'est aussi l'année de sortie du film. Et entre 1958 et 2016, il en est sorti des films, mais dans le thème enquête policière bien psychologique qu'absolument tout le monde a vu, il y a The Dark Knight. Du coup, je vais être honnête,
Je m'attendais à quelque chose de bien plus poussé en termes de jeu morbide et slash ou intellectuel. Et bien qu'on s'y approche par moments dans le remake et pas dans l'original, le film reste enfermé par le matériel source, là où quelques petites libertés par-ci par-là auraient pu faire monter la tension d'un cran et repenser l'éthique derrière les actions de May Gray. Donc c'est peut-être ma faute pour en avoir trop attendu du remake, mais je m'attendais à des... comment dire... des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. Ah, merci Audiard, c'est l'expression que je cherchais. Je voulais vraiment voir Atkinson craquer sous la pression, parce que dans Blackadder, on le voit déjà perdre son tempérament. Mais non. D'ailleurs, ironiquement, c'est l'original qui a l'air de s'affranchir un peu plus du matériel source et prendre plus de risques, même si il faut admettre que ça casse pas trois pattes à un canard. Mais on voit plus de sang et plus de violence, que ce soit physique ou psychologique. Donc oui, encore une fois, c'est l'original qui gagne, et d'une assez grande marge, mais une fois de plus, ça veut pas dire que le remake est mauvais. Maigret en un piège version 2016 est d'ailleurs un bon téléfilm, et oui, je vous le recommanderais. Le scénario reste cohérent, bien ficelé, et la performance des acteurs, notamment Rowan Atkinson, aide à maintenir une belle tension. Et il y a même des indices laissant penser que le personnage évoluera dans les trois suites prévues, que je regarderai, et que l'original n'aborde pas, préférant une histoire confinée à elle-même. Les deux films, quoique l'original bien plus que le remake, sont des adaptations plus que compétentes du personnage de Jules Maigret, un personnage qui est un peu tombé en désuétude, mais dont Rowan Atkinson est un fan invétéré. Du coup, on peut donner une chance au remake, parce qu'on sait qu'Atkinson y mettra toujours tout son cœur. Et quant à moi, j'ai toujours pas trouvé de remake 100% pourri. Ce qui veut dire que les aventures de Détective Pires ne sont pas terminées.